Il y a un an, jour pour jour, la grande mosquée de Québec a été visée par un acte de terreur. Il y a un an, jour pour jour, des enfants et des épouses, des amis et des voisins perdaient ceux qu'ils aimaient. Il y a un an, le Canada pleurait la perte des siens. Khaled Belkacemi, Azedine Soufiane, Abdelkrim Hassan, Aboubakar Tabti, Mamadou Tanou Bari, Ibrahima Bari. Nous savons aujourd'hui que ces 6 personnes sont mortes sous les balles de l'ignorance et de la haine, au moins aux mains de l'islamophobie et du racisme, qui n'auront jamais leur place dans notre société. Ce geste de violence est non seulement inexcusable, mais inacceptable. Dans les jours et semaines qui ont suivi la tragédie, les Canadiens se sont unis, forts de leurs différences, fiers de la diversité qui enrichit leur pays. Ensemble, nous avons choisi l'amour plutôt que la haine, la compassion plutôt que la violence, la solidarité plutôt que la division. Ensemble, nous nous sommes montrés à la hauteur des valeurs qui sont au cœur de l'identité canadienne. Nous nous sommes montrés sous notre meilleur jour, malgré la noirceur. Il y a un an, nous avons fait honneur à la mémoire de ceux qui nous ont quittés trop tôt. Nous avons montré notre solidarité à la communauté musulmane qui, trop souvent, est ciblée par la haine. Target of hatred. As we mark this somber anniversary and remember the extraordinary courage of ordinary people, I believe we must ask ourselves, have we done right by the men who lost their lives on this day 1 year ago? When the dust began to settle and it began to be business as usual once again, did we stand with neighbors and strangers who were targeted by hate? I ask not only the members of this House, but all Canadians. Have we regularly condemned everyday acts of racism like we so forcefully did just 1 year ago? Have we defended the freedom of others, whether it be to pray, to love, or to simply be, like we would our own? Mr. Speaker, these attacks sought to divide this country and its citizens, drive wedges between neighbors, and make enemies of strangers. Sadly, the same can be said of hate crimes and other isolated incidents of discrimination that far too often go unnoticed or unreported. Things like graffiti and slurs have become commonplace, normalized, and even tolerated. The loss of life should not and cannot be a necessary condition for acts of hatred to merit our attention. Tragedy should not and cannot become a prerequisite for us to have important conversations in our homes and in our schools. It should never have come to this point for attitudes to be changed and for changes to be made. We cannot bring back those who perished, but we owe it to them to fight the very sentiments that led to their loss. We owe it to them to speak up and stand tall and explicitly against Islamophobia and discrimination in all its forms. Chaque jour, nous pouvons et nous devons faire honneur à ceux qui nous ont quittés trop tôt et à leurs valeurs. Face à l'ignorance, choisissons la compassion. Face à la haine, choisissons l'amour. Ensemble, dressons-nous contre l'islamophobie et toute forme de discrimination. Ne laissons pas la peur s'installer dans nos cœurs. Ne laissons pas le racisme prendre racine dans notre société. Ensemble, continuons de faire de notre diversité notre force et de nos différences notre fierté. Chaque jour, rendons hommage à Khaled Belkacemi,
Azedine Soufiane, Abdelkrim Hassan, Aboubakar Tabti, Mamadou Tanoubari, Ibrahima Bari. Montrons que les Canadiens ne se laissent pas intimider par la violence ni par la haine. Aujourd'hui, demain et jamais. Merci, Monsieur le Président. Oui.